C'est tout bon de se retrouver pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci en compagnie de Fuji qui s'excite en direct. Bonjour jeune homme. Bonjour, bonjour On a jeune sorti homme. le fail aussi au début de la vidéo. Putain t'es où, putain t'es où? Je t'avais dit de te taire et juste au moment où je lance le record, putain t'es où? Bref, donc aujourd'hui, alors, merde, faut que je lance le record du timer. Donc première chose, je vais juste m'excuser, vous allez entendre mon clavier parce que je peux pas enlever le bruit parce que sinon ça démolit totalement ma voix. Mais aussi, on a fait cette vidéo parce que vous avez été très nombreux chez lui et chez moi à demander. Du coup, sans le savoir. On a prévu de faire une vidéo. Et c'était ça, lui et moi, on avait fait une vidéo, posez-nous nos questions, on répondra à vos questions dans cette vidéo ensemble. Et donc, le contenu de la vidéo, ce sera, on va farmer, pendant peut-être une heure de vidéo, à peu près une vidéo détente, où on va farmer, et chacun de notre tour, on va choisir un endroit où on veut farmer. Et comme ça, on fera un maximum de zones de la map, mais sans faire une seule fois quitter. Voilà, bref. Donc aujourd'hui, c'est Fuji qui a choisi, et puis on va s'attaquer au Dust. Bon, bah écoute, j'ai assez dit toutes les conneries, hein, on va commencer. Coucou. Oh, je cheat. Oh. J'ai utilisé la technique du lâche, la technique du... Vas-y, hop, je te phase et tu crèves. Bref. Bon. Mais c'est normal que tu passes à travers les portes, là. Ah, parce qu'il n'y a pas de porte, en fait. Ah si, moi j'ai des portes. Ah, elles sont fermées chez toi. Ouais. Bon, C'est pour ça que t'es où, mais t'étais de l'autre côté des portes. C'est chelou. Elles sont tout le temps ouvertes, normalement. Ben ouais, ouais. Bon, on va dire que c'est bon. C'est comme ça, la vie. C'est quand... Comme mes abonnés savent, c'est peut-être mon PC aussi hein, qui fait des siennes. Bon, ça va, mais bon. Le mien, il s'allume une fois sur trois, du coup. Autant il rame pas, autant quand tu mets 15 minutes à l'allumer tellement il bug tout le temps, ça te fait chier. Alors... Il n'y a pas de charnu? Non. Bonjour. Ouais, j'ai déjà prévu un petit truc pour le farm d'après. Je pense que Fiji, tu vas être content. Ah, ah. Parce que moi, j'adore farmer les invincibles. Ah ouais, moi, je suis une grosse bite contre les invincibles. Non, non. Moi, je suis une grosse bite contre les ennemis normaux. Putain, j'arrive pas. Je suis nul. Je suis pas creux. Je suis une grosse bite partout, on va dire. Mais non, arrête. Mais les invincibles, c'est le pire. Si t'étais une grosse bite partout, il n'y aurait pas de gens qui te regardent. Sauf si c'est des compilations de fail à la rigueur. Mais bon, moi de base, je voulais en faire parce qu'à une époque, j'avais fait le jeu avec un pote. Oh. Et en fait, on faisait mais que des conneries, c'était tellement drôle. Puis en fait, bah, j'ai supprimé toutes les vidéos comme un con. Du coup, ça m'a pété les couilles. Je te les mets en face, comme ça, tu peux. Sans slaguer. Voilà. Et en fait, je me demande pourquoi on les tue eux, parce qu'en fait, ils servent à rien dans le farm de boss qu'on veut faire. Ah ouais, on... Parce qu'ils ont tous spawn et s'il n'y a pas de charnu, ça sert à rien à la rigueur les petits, tu vois, vite fait. Avec charnu, c'est chaud à faire pop en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Ah, moi, j'ai pas trop de galère, mais... Parce que là, je suis en train de, sans spoil, préparer une vidéo spéciale. Ouais, bah, ça sent une vidéo spéciale charnu, je sais pas pourquoi. Non, même pas. Okay. Mais j'ai besoin d'un charnu, mais j'ai essayé au moins 50 fois de faire le parcours sur la map Holo et de là. Ah, et t'as pas réussi? Halloween? Et non, il y en a jamais un qui est pop. Est-ce que tu joues quand t'es en ligne? Genre quand t'es connecté? Non. Alors joue quand t'es connecté, parce que quand t'es connecté, il y a quasiment tous les spawns qui sont multipliés. Et les charnus spawn. Quand t'es pas connecté, c'est genre les trucs de base que t'as au début du jeu. Et au début du jeu, les charnus, t'en avais une fois sur 150 millions. Mais avant, ils popaient facilement, c'est ça que je comprends pas. Tu jouais connecté avant ou pas? Non, jamais joué quand connecté. T'as jamais joué genre en mode en ligne ou... Y'a que depuis j'ai ma One que je lance un peu plus en connecté. Ah bah chelou. Chez moi, je joue tout le temps connecté sur le PC parce que moi j'ai pas de console. D'ailleurs, y'a plein de gens qui me demandent est-ce que tu peux jouer sur console. Les gars, je n'ai pas de console. Ouais, moi c'est souvent si. Tu joues sur PS3? Eh non. Moi c'est tout le temps, tu joues sur PS3, sur One, sur PS. Les gars, j'aime tout le monde. Bah normal, on aime tous nos abonnés. Mais je n'ai pas de console, du coup, je suis désolé. Peut-être qu'un jour je m'en achèterai une et on pourra jouer ensemble. Mais j'ai jamais été très console pour ma part. Ça, on peut être sûr que dans les commentaires, il va y avoir des débats console-PC maintenant. Ouais. Heureusement. Mais bon. Les gars, on vous aime tous, on s'en fout qui a console, qui a PC. Enfin, peut-être que je mette les œufs depuis tout à l'heure, je suis avec ma bite et mon couteau, là. Moi, j'avance pas parce que j'ai mis The Bee. Est-ce qu'elle a spawn, cette connasse? Je crois pas. Putain! Elle a pas spawn! Bon, ouais, c'est cool. Bon, on va voir là aussi on peut drop le Verrucht ou le... La Yuda. Je sais plus comment s'appelle le snap. Voilà. Allez. Alors...
Je m'occupe de Mowgli, tu t'occupes de l'autre? Ouais, si je fasse pas le mauvais, voilà. Et alors là, tu vas arriver de l'autre côté Alors, normalement. Mowgli, bien entendu, il a Là. droppé que de la merde. Ah bah c'est gentil de t'en occuper. Il a eu le temps de m'enlever toute ma santé. Putain! Pif! Ils ont rien. Et lui, il a rien drop non plus, comme ça c'est Bon, fait. ça a l'air sympa. Bon, maintenant il y a l'autre là-bas en haut, Ouais, à sa cabane là. Dunk. Ah, et puis il y a l'autre aussi à sa cabane là qui drop je C'est sais un plus quoi là. arbre-clair, je crois. Ouais. Allez, on va le tuer. Mmh. On filme cette vidéo de samedi, je pense qu'on la passe demain, dimanche. Et je pense que là, vous allez tous avoir une érection, je pense. Alors, parce que, je pense que moi, ça fait depuis vraiment pas mal de temps qu'on la demande, cette vidéo, je crois. Depuis au moins 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, bah un jour ou l'autre, hein. Fallait bien se Et je me lancer, rappelle, hein. genre, quand j'avais 4000 abonnés, je t'avais proposé de faire une vidéo ensemble, et puis en fait, ça s'est jamais fait parce que comme un con, j'avais oublié. Du coup, on s'est jamais recontacté. Bah moi je sais pas, c'est un jour je dis tiens, ce serait cool, hein. Ouais, tu Puis t'as vu que je t'ai j'étais revenu, contacté, du voilà. coup, c'est sympa, comme ça, les gens, ils sont contents. Ah, t'as pris le Slaga, toi? Je sais pas ce que j'ai pris. Elle est Odunk, je crois que c'est le Ah, Slaga. oui. Ouais, d'ailleurs, je l'avais farmé, je l'avais droppé du premier coup, et après, je me suis rendu compte que je l'avais déjà, du coup, j'ai gagné. Allez, bon. Voilà. Alors, ça c'est quant à la flemme. Non. Je crois qu'il y a un coffre, si je me souviens bien, quelque part. Ouais, en dessous. Il est là-bas en dessous. Ouais. Pendant que je fermais le magi, je le. Il est là. Oups! Oh fou, je le reprends. Ah, c'est moi Non, qui ai oh, l'oreille! c'est C'est moi moi qui qui l'ai eu, tiens. ai l'oreille! Mais moi, j'aimais rien dedans. Si, il y a un Banshee, mais il sert à rien. C'est le Banshee de Ouais, merde. bon. Et on sent. Ah non, j'ai cru que t'avais pris le truc. D'ailleurs, sur Runge, il n'y a pas moyen que je drop par le Banshee. Sérieux? Ah, il n'y a pas Dans le moyen! coffre de. Truc? J'ai fait le bidule avec le bonhomme de neige là. Attends, ça? Il n'y a pas moyen. Moi je m'en fous. Moi J'ai je m'en fait fous, je me le. J'ai limite. pu Moi je m'en aussi. fous. Moi je t'abandonne. Non, je... Merde, Attends, j'arrive attends, pas à attends. monter. J'ai pas mis mon cavalier Coria, c'est pour ça. Salut! Bon, allez, je reviens, je suis gentil. Je vais écraser un peu les gens. D'ailleurs, c'est marrant de voir la différence. Genre, dans le 1, les gens, tu les écrases, ils crèvent en 2 secondes. Et dans le 2, il leur faut je sais pas combien de coups pour crever quand tu les écrases. Ouais, le 1, de toute façon je l'avais commencé en vidéo détente, mais j'ai arrêté. Moi j'ai fini le let's play, je suis à l'épisode 5 en fait. Bah j'ai fini déjà de tourner, il y a 12 épisodes. Et au bout du 5e, il y avait déjà les gens qui m'ont dit putain t'es déjà là et tu rushes le jeu. Moi j'aurais dit ouais parce que je sais que les let's play c'est pas ce que j'adore le plus faire. Du coup moi quand je fais un let's play je rush le jeu. Comme ça je sais que je serai pas démotivé à le faire. Moi, il y a Clatra qui me faisait péter un câble hein, sur le 1. Qu'est-ce qui te faisait péter un câble? Claptrap. Ah. À chaque fois que tu sors les zones, il te répétait une quête pour Ah toi, ouais, une ça quête je l'ai dit pour plein de toi. fois aussi dans le test, mais ça me pétait trop vite. Il est, voilà. Putain, mais l'autre main. Bon, maintenant qu'on a fait le farm de Fuji, on va faire le farm que moi je propose. Je sens que ça va être marrant. Alors, je fais qui? Voracide ou les anciens dragons? Voracid, c'est là où il y a le shit là, non? il marche plus, je crois. Ah, il marche Ah plus? bah non, mais si on fait un truc, faut que ce soit en legit, sinon c'est pas drôle. Ah oui, je sais. On est en vidéo devant des milliers de personnes, faut leur montrer qu'on est des PG. Oui, vachement. Sinon ça marche pas. Alors, j'hésite. Bon allez, on va faire les anciens dragons, on va commencer tranquillement parce que Voracide Ouais, tranquille. c'est même pas la peine. Bien Merde. entendu, il y a Fuji qui fait chier. Alors. Ça va être marrant, je crois, là. Au pire, tu peux checker ton inventaire après, et pas besoin d'être deux pour faire le voyage, le temps d'arriver au truc. Je me propose de payer les 20 d'Iridium. Merde, je me suis trompé! Bon, je me suis trompé d'endroit. Bon, qui c'est qui me spamme encore sur Skype là, hein? Faut pas être bien en vidéo, tranquille. Bon, on va dire que je me suis trompé d'endroit, du coup on va faire le sorcier, on fera les anciens après. T'auras le choix de faire un autre boss avant. Parce que, voilà. Je me suis trompé comme un con. Bon, puis, y a pas un charnu squelette? Non, bon, tant pis. Bonjour! Ouais, bon. Il a trop de santé, on n'a pas le temps de mieux. Putain, on voit que je galère à parler, c'est un truc de ouf. Alors, on va commencer par. Ouais, mais... Oh putain, moi je suis déjà là-bas, moi en fait. Alors, où est. J'ai même pas le temps de mettre mon bi Moi tranquille. je vais y aller à l'électrique avec. Voilà, parce qu'au début il faut y aller à l'électrique. Et après on mettra le feu. Alors. Attends, moi je suis loin de choisir mes armes en plus, alors je t'explique pas.
Vas-y, voilà, j'ai même pas le temps de choisir mes armes Bah, en même tranquille temps, t'es allé là. directement dans le combat comme un gros débile. Après, il faut arrêter. Voilà. Bon, ils ont un... Lui, il va nous looter un léon d'air. Alors, j'ouvre les paris. Je pense qu'il va nous looter le bouclier à la con. Attends, j'arrive pas à te soigner là, c'est quoi? Ah! Ouais, mais attends là. C'est bon, il t'a un gros ouais. Du coup. C'est pas important. Je crois que je me suis mal exprimé. Alors. Vous allez crever! Putain, ce DLC là, il était bon quand même. Ah, c'était le meilleur. Avec l'Oasis. Ouais, avec. Moi, le premier, je l'ai adoré aussi. Celui que j'ai moins aimé, c'est le Hammerlock, moi. En fait, j'ai adoré celui-là, après le premier, et après le deuxième, et après Hammerlock, parce qu'Hammerlock, ça pue. Lui, c'est de l'électrique, hein, parce qu'il résiste au feu. Oh, j'ai la flemme, en fait, j'ai la flemme de choisir mon arme. Bah alors, limite, utilise le Harold, ça lui fera plus de voilà dégâts, ce que parce je fais. Que... Pourquoi tu m'aggro, moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que t'es le premier dans ma reine. On est déjà à 10 minutes de vidéo, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce qu'il va... C'est pour la perf. Il va nous dropper quelque chose, tu peux en être sûr. Allez, un conference call. Un conference call wow. Ah ouais, il a rien looté. Wow. Il a rien looté. Parce qu'en fait, une fois ici, avec un abonné, j'avais joué. Et j'avais dit, ouais, bon, allez, cette fois-ci, pour le fait, je lui ai dit, vas-y, il va nous drop un volcano. Il nous a droppé un volcano avec le meilleur préfixe en plus. Mais c'était sympa. Non, il y a rien, drop. Ça fait chier. Quel enfoiré. Tu veux faire quoi, alors? Moi, je me prépare à courir. Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir faire? Qu'est-ce qui pourrait nous mettre un truc sympa? Un petit boss que j'aime bien, moi, c'est le Pyro le Ouf. Vas-y. Alors, Pyro le Ouf, Pitdown. En même temps, peut-être qu'on va drop le cobra sur les flambeurs. Ah, ce serait bien, parce que le cobra, je l'ai droppé une fois et j'avais pas record. Moi, je l'ai droppé une fois sans savoir ce que c'était, en fait. J'étais niveau 62. Ah, putain, mec. J'ai oh, tiens, un snipe rouge. Avec une écriture rouge. Oh. Moi, par contre, j'ai trop eu les nerfs au moment où en fait, je me suis rendu compte que je l'avais droppé avec le préfixe Toom Toom et que j'avais pas filmé. Du coup, j'ai un peu pleuré. Ah, attends, je vais prendre mon sandok électrique tout de suite, ce sera fait. Ok, moi je suis Sauf déjà que... en train de crever, c'est cool. Ah, c'est celui-là. Je vais dire, je l'ai pas. Ouh là là! Alors. Ah, oh, il nous a droppé le Strakbrachnichni. Oui, c'est un bon nom. Je traque Global Shell Shell. Regarde par toi, c'est ça. Alors, bonjour. Oh, qu'est-ce que tu fais toi? S'il loot le cobra, je crois que je suis content. Soit plus, il est puissant ce sniper de merde. Ah merde, je suis décédé. Ça va aller ou t'as besoin d'un boss? C'est bon, c'est bon. Tiens, je te le phase. Oh, j'en doute que c'est bon. Hein. J'ai le lance-roquette électrique, du coup, y a pas de problème. T'as le Norfleet, c'est bon, tu peux te relever. Ils sont au niveau OP55, t'as le Norfleet, tu peux te relever. Alors. Attends, il a drop du bleu. Oh putain, j'ai cru que c'était. En fait, c'est une grenade nulle. Une grenade qui s'appelle Lobet Slag Singulari. Putain, c'est la merde. J'ai vu un bleu, j'étais là. Attends. Ouh, mini érection en. Ah, c'est ça, là, oh, il y avait la mi-molle et. Ah bah non. Bon bah écoute, hein, c'est ce qu'on appelle le débandage. Alors. Hop. Oh, ça pique, hein. Ouh. Ouais, ça pique, hein. On va dire que je vais courir. Toi, tu vas. Oui, je suis con, je blesse moi-même mon bouclier. Mais au moins, je vais courir plus vite. Yep. Putain, j'étais à deux doigts de te rattraper, j'ai eu une merde. Eh, pour une fois. Non, c'est moi qui le vais. et je crois que j'en ai... Juste avant de mourir, je crois que j'en ai eu un avec le Grognos. Ah bah ouais, l'arme la plus useless du monde. Ouais, la dernière fois, j'étais un Skag avec, hein. Un Skag charmé. Eh, y a le Kerblaster en OP8.
Le pire, c'est que le Car Master, il est pas mal. Ils ont augmenté ça. En fait, tu sais, avec l'événement là, 100K, Lootent, Meko, ils avaient modifié des armes. Genre les armes de merde que personne n'utilise, ils les ont améliorées. Et en fait, le Car Blaster, on a avec la sirène. Si tu fonds en face d'un ennemi, vu que t'as une 15 de tir augmentée, il a une 15 de tir vraiment très sympa. Tu sais, moi, les mises à jour sur Borderlands, alors là. Ah, c'était pas une mise à jour, c'était un événement il y a 2 ans. Je sais pas si tu, je sais pas si tu te souviens ou même si t'en as entendu parler. Nine. Ouais, c'est pas grave. Bref, ils avaient eu. C'était un événement pendant 30 jours où sur chaque jour t'avais une mission à faire, genre sur tel et tel ennemi tu pouvais dropper telle et telle arme à coup sûr. Et après avec le seul cette événement arme que j'ai tu fait... pouvais tuer tant et tant d'ennemis pour débloquer l'événement suivant. Pardon, tu disais? Le seul événement que j'ai fait sur tous les Borderlands, c'est le truc à Noël sur Pre-Sequel. Ah ouais, putain, je me rappelle même plus de ça. Sur Iwo Jira. C'est le seul que j'ai c'était fait. C'était quoi de nouveau? T'avais un bouclier et une arme glace, à drop. Avalanche, c'était le bouclier. Ah oui! Parce que de base, il avait pas de source de loot, l'avalanche. Bonjour. Oui. Bon, tant pis, je continue, allez, je prends le... En plus, il était pas mal, le avalanche. Oh, tu sais, moi, c'est quel grand, je me rappelle pas avoir lancé, moi. Ouais, ça doit faire un, je sais pas combien de temps que je l'ai pas lancé non plus. Mais maintenant, Askip, il est bien parce que, genre, ils ont mis tout à jour, tu peux tout farmer et tout. Ce qui a vraiment fait chier après Sequel, c'est que pour moi, ils l'ont sorti beaucoup trop tôt, je trouve. S'ils avaient un peu plus travaillé le fait qu'on puisse farmer, etc., je pense que ça aurait été déjà un jeu qui aurait duré plus longtemps. Ouais. Merde. Ah merde! Je croyais qu'il avait déjà fait ce con. Mais moi aussi. Enfin, moi je croyais pas, je voulais un petit peu l'utiliser pour. Pour lui faire du dégât avant qu'il le fasse, mais je me suis mis une seconde trop tard. Allez, on y va. Ah d'accord, j'ai plus de munitions. Et je prends encore feu, alors que je suis passé sous la flotte. C'est peut-être à cause de ton orbite de feu. Putain, je... Oui. Ah, ça se voit qu'à deux joueurs, il est... Oh putain, un peu plus compliqué. Bon, ça va encore, hein. Bon, on a invincible. Ah, mais je parle juste au niveau de la santé, quoi. Oh. Adieu. Putain, l'enfoiré. Moi, je t'observais. Je t'observais, en plus. Après, après, on va faire les anciens dragons. Voilà. On va enfin faire ce que je voulais faire depuis longtemps. Je vois pas, mais je sens qu'on va crever dessus. Ah, moi, c'est sûr que je vais crever, moi, dessus. Mais hein. Non. Moi, ce qui fait chier, c'est que ma sirène elle est orientée dégâts et je l'oriente jamais soin parce que je m'en bats les couilles. Ah, vous, je joue tout le temps à y aller. Ah merde, je suis dans un coin, il va me gangbang. Non, non, mais je crois que j'ai corps droit là. Ah, voilà, en plus, je suis mort. T'es mort? Attends, j'avais plus de vie. Il m'en gangbang dans le coin, ce chien. Je te. Hein? T'as les petites merdes si tu veux essayer de te réanimer. T'as, si on meurt tous les deux contre Pyro, c'est la honte quoi. On fait une vidéo et tout, ouais, on va faire ci, ça et on meurt contre Pyro, tu sais. C'est pas grave, ce sera un petit fail. Ouais, d'accord, il est disparu lui. Bah, très bien. En fait, c'est Pyro, il est mort. Ah. Alors, est-ce qu'il nous ajoute quelque chose ce con? Non. Je crois pas. Putain, Il y a juste de drop low plit, c'est tout. Ouais, voilà. Oh, il est... Eh, on a pas de chance aujourd'hui là, on a rien à dropper là, putain. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah les anciens dragons, on va voir. Je pense que après les anciens dragons, on va faire une petite pause vite fait pendant les coffres peut-être pour répondre aux questions. Yo. Ce serait cool. Là, attends. Oh merde, je t'attends pas moi. Il y a des petits coffres là ou peut-être qu'il y a un peu de chance, on va attendre plus légendaire dedans. Ou du permis. Eh, ça va y arriver d'ailleurs, petit spoil pour le prochain du loot à foison. Dans un coffre, j'ai looté un légendaire et un perlé en même temps. Ah ouais, quand même. J'étais là. Ça va la, ça va la chatte. Ah ouais, quelque chose. J'ai appelé ma copine pour voir si j'étais cocu parce que là. Voilà quoi. Voilà, bon bref. Rien de prendre de chien. Rêve de mondanité. Rentrons au cœur du sujet. Je suis sûr, une des grenades, c'est une grenade unique et on n'a jamais. Ouais, bon en fait. Alors. Vous allez voir, je vais rattraper Fuji. Ah bah ouais. Tu as déjà affronté une sirène? Non! Putain.
Et d'ailleurs, la démarche quand elle court, elle, ouais, bon bref. Alors, je me suis Un bout de toujours. cul, ça. Bon ben. Elle a une de ses démarches quand elle court, c'est très sympa. Alors. Attends, je vais mettre mon cavalier coriace et tout si. Bah, je t'attends sur une machine à laver. Mon banshee. Bon bref, on va pas attendre, on doit aller vite. J'ai plein de boss qu'on doit faire. Je réfléchis, je la poursuis d'après, si on en a Ah bah bah ouais, si on crève pas. Alors, on voit le, il a confiance lui. Hein. Mais tu farmes jamais les invincibles? T'aimes pas? moi je ferme toujours les petits mobs quoi. T'aimes pas farmer les invincibles? C'est pas que j'aime pas, c'est que avec le taf et tout, j'ai allez, maximum 1 heure devant moi pour farm. Ouais. Si je commence à farmer les invincibles, j'ai pas fini, hein. Ouais, c'est clair. Je sais pas, moi je Ça fait joue un assez moment. rarement. Généralement, là, t'as vu, dans mon activité pour les 2 dernières semaines, j'ai joué 16 heures, ça fait peut-être 1 heure par jour à peu près. Ouais. J'aimerais bien farm le ogre, mais bon, il est tellement chaud à Oh voir. putain, tu viens de me donner une idée pour la fin de la vidéo. T'aurais pas dû! Après, moi, comme il y a beaucoup de bords sur la chaîne, mais moi j'ai pas envie de faire que ça en fait. Bon. Moi, j'attends surtout la J'aime bien sortie faire tout. de Battlefield 1 pour. Ah ouais, putain, le trailer il fait mal. J'ai une mi-molle minimum jusqu'à la sortie là. Par contre, je sais pas si t'as essayé Battleborn, toi. Non, je peux essayer, ça me pas. Bah, je suis très déçu, voilà. Comme ça, les abonnés qui regardent, je suis très déçu de Battleborn, donc ne vous attendez pas à avoir 36 000 vidéos dessus sur ma Ouais, il y chaîne. a plein de gens qui me demandent Battleborn et Overwatch, je crois, ça s'appelle une connerie comme ça. Overwatch, inquiétez pas, moi, il va en Et avoir. j'aime pas trop trop. Overwatch à la rigueur, ça a l'air plutôt sympa, je vais peut-être le prendre. Mais Battleborn, en tout cas, j'ai vu des avis et pour c'est de la fuche. Ah, puis la communauté dessus, elle est. Voilà quoi. Bon, je vais t'expliquer la technique de ces invincibles. Enfin bon, la technique que tu connais, je vais t'expliquer surtout la petite spécificité, c'est que quand ils sont en l'air, c'est comme pour les anciens dragons, comme pour les nabos du thym. Tu peux leur faire des dégâts élémentaux quand ils sont par terre aussi. Mais si par exemple tu leur fais un effet élémental quand ils sont en l'air et qu'ils se posent alors qu'ils ont encore leur effet élémental, tu pourras pas leur faire d'effet élémental quand ils seront par terre. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Du coup, pour les attirer, il faut utiliser une arme neutre. Donc quand ils sont en l'air, je te conseille que je les attire avec j'ai un peupon neutre et quand ils sont par terre, on les rush de dégâts. Ouais, tu sais, moi, les archives, comme je te dis, je connais pas, Ah voilà, comme ça hein. je t'ai expliqué. Donc À part quelques-uns que je ferme de temps en temps, ce qu'on mais. va faire, bon moi je t'attends tranquillement, je suis déjà sur la zone. Genre, Voracide avec le sorcier, je comprends pas ce qu'il faut faire. Il faut le tuer. Mais t'inquiète, on va le faire peut-être Voracide. Ça va être drôle. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à chaque fois on va faire un truc simple, tu vois. Et juste après un truc super compliqué. Je me suis dit on va faire les anciens dragons parce qu'ils sont quand même plus simples que Voracide, parce que Voracide, je suis même pas sûr que j'arrive encore à le faire. Ceux-là, j'ai réussi à les faire en solo plusieurs fois, mais Voracide, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que j'en sais rien. Donc voilà. Tout le joueur devait être là. Ah, mais on est là. Quand ils sont en l'air, tu leur tires pas dessus, même pas d'effet de face, parce qu'en fait ça les slague et après on peut pas les slaguer. Quand ils sont en l'air, je les attire avec mon peupon. Quand ils sont par terre, Ouais. on les défonce. Ok. Faut juste attendre. Ok. Par exemple, là, on va commencer avec le électrique. Avant, par Ok, exemple, de. change d'arme. Ouais, on commence toujours le feu. Moi, je commence toujours par l'électrique. Oh! Oula. Attends. Est-ce que. Ça y est, on peut le phaser, on le défonce. Eh, quoi? Ok, il a dû prendre des dégâts élémentaux. Bon, bah, c'est cool. Je crois que. Je vais utiliser D'accord. une autre technique. Je crois qu'on va. On va Vas-y, d'abord doucement. faire. Je sens que. Adieu. Putain! Bon, alors, on va pas se faire chier. On va pas réussir, après j'abandonne. On va utiliser une autre technique. On va commencer par le dragon vert. Comme ça, on aura des seconds souffles. Ah, c'est de ma faute, là. J'ai pas expliqué tout. On va faire des seconds souffles. Et voilà. Et toujours avoir l'arme de feu en premier. C'est ma faute. Je t'ai pas expliqué qu'on allait commencer par l'électrique comme un con. L'ordre, je fais. Bah là, on va faire corrosif, électrique, feu et slag. Du coup, ce sera sans doc feu, feu, après électrique et après de nouveau feu.
Ok, de toute façon, j'ai mis mon sagoc feu électrique dans mon inventaire, comme ça. Ok, bon. Bon, bah, les gens, vous voyez qu'on est très très nul. Putain, je me suis dit, ça allait être facile et tout. Juste avant le combat, je suis là. Ouais, je les ai fait et tout. Et ah, bah, non. Bon, normalement, le corrosif, il est facile à tuer. On veut le tuer en une descente. Car là, tu vois, là, il n'y a pas trop de décor, et ben mon jeu est fluide, la même action. Ah, sympa. Et quand il y aura les anciens dragons avec tous leurs trucs à la con, bah là, c'est fini. Voilà. Ça va faire wouh! Alors. En plus, on vous a pas dit, mais putain, on en a chié pour faire cette vidéo entre Steam qui marche pas et tout le bordel, là, c'était sympa. Ah, ça y est, il est par terre, cet Ouais, enfoiré. il... Donc là, on peut y aller, là, c'est bon. là, on défonce. N'hésite pas à utiliser le grog nozzle, hein, j'ai la quête. Hein. Ah, je l'ai le grand nozzle, hein, t'inquiète pas. Ok. Je prends la bite, hein. Voilà. Et on a des petits dragons si tu veux. Ouais. Ça va d'aller. Sauf s'il bouge, ce con. Galof, galof, ouais. Galof, ouais. N'hésite pas à aller se laguer. Voilà. Ok, stop, utilise pas des dégâts là, faut que je le redescende. Faut faire gaffe aussi avec un truc qui est assez traître dans ce combat. C'est l'utilisation de la grenade électrique pour se soigner. Ah, ça, c'est la merde. Oui, j'ai pas pensé à ça, tu vois. Ça y est, on le défonce. Bon, je pensais qu'on allait l'avoir en une descente, mais c'est pas grave. Allez. Là, on y va, on le slag. Moi, j'arrive pas à le slaguer. Voilà. Là, j'ai eu la première phase de ma vie où, genre, il a pas été slagué cette fois. Ok. Putain, il est quand même monté ce fils de. C'est bon, je l'attire, je l'attire. Allez. Oh putain, j'espère que ça n'a pas fait de dégâts aux autres parce que sinon on est dans la pfuche. Je sais pas le. Là, ouais, bah, ça a fait descendre. Utiliser ta face, ça a fait un effet sur l'électrique, du coup il est descendu. Ah merde! Ah, faut faire. Ces Merdouille! anciens dragons, c'est. Faut faire gaffe. Ouais, c'est pas grave, les abonnés ils vont rigoler. Alors, bon, ce qui fait chier, c'est qu'il va se laguer, il va soigner le corrosif. Ça fait chier. Du coup, le corrosif, il a la moitié de sa santé. Comment la paye, toi? Putain, je vais prendre des dégâts de tout le monde, là. Ça commence à me péter les couilles. Là, on dégomme le bleu, là. Hein. Ouais. Après, je vais de nouveau utiliser... Je vais de nouveau descendre le corrosif. Faut que... Ok, stop, stop, on arrête de le tirer. Voilà, j'arrête. Je touche plus rien, je cours. Si tu veux te soigner, utilise alors le Harold au pire. Genre, tu fais un switch Ouais. Harold Grog Nozzle sur les petits dragons qui sont par terre. Ouais. Pour se soigner, c'est très bien. Ok, ça y est, j'ai réussi à faire descendre. Bien entendu. Putain. Allez, vous allez. Il va mourir, lui, ou pas? Ok, il t'a gros, ça veut dire que je vais peut-être pouvoir lui faire des dégâts. Je vais m'occuper d'un petit. Reste là, toi. Vas-y, ligue de mes couilles. C'est bon, j'ai eu le gros. Oh merde, t'as fait descendre le feu. Bon, c'est pas Hein? grave. Ce sera un but tiré dessus, faut juste survivre pour l'instant. En se soignant. Tu te soignes ou... Mais qu'est-ce que t'as fait? D'accord, très bien. Mais pourquoi tu... Mais t'étais low life pendant 20 secondes, j'étais là, mais il va se soigner ou il va pas se soigner? Faut te soigner si tu veux survivre. Je suis un peu SM, tu sais. Ouais, mais bon, après, si tu survis pas, je vais me retrouver tout seul comme un con, ça va pas être drôle. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh putain, ça va devenir chaud là. Allez, attends, y'a un petit merde, y'a une petite merde là, voilà. Oh! Là, ça devient chaud là, y'a plus de petite merde. Ok, c'est bon. T'en fais pas, ça va aller. Oui, je veux bien, je veux bien. Ouais, tu peux voir mon talent en tant qu'invincible, tu vois. Tu vois pourquoi je les ferme pas? Mais non! Soigne-moi, s'il te plaît, là, putain! Mais non, c'est de nouveau l'autre qui est descendu! Putain! En plus, ils arrêtent pas de m'aggro, ces enculés. Mais non! Putain, mais il est quand même descendu le feu. Ouais, c'est triché, je peux pas. Faut qu'on fasse gaffe là. Oh, mais fuck, hein. Oh non!
Oh! J'essaie de finir les dragons ou j'abandonne et on fait autre chose. Le fail de Foji, comme ils sont habitués, t'inquiète pas. Non! Bon, j'ai quand même envie de les faire en vidéo là, putain. On va utiliser la technique qu'on utilise d'habitude, on tue d'abord l'électrique parce qu'il fait chier, il ralentit. Donc, ok, on va faire ça. On comprend feu. On tue l'électrique, du coup, c'est quoi machin en feu. Ensuite, on tue le corrosif. Du coup, pour l'électrique, ça va être chaud de te soigner, il faut utiliser le switch du Grog Nozzle et du Harold. Ah, alors là, bon courage. Mais bon, on va juste comme pied. Je m'en fous, on va aller faire. Je secoue le shaker. Bon, après, ça aide pas d'avoir un PC qui galère aussi. Hein. Ah, il galère pas, ouais, je n'ai aucune excuse, moi je suis juste nul. C'est vraiment de voir que, genre, les mecs ils tombent de 50 mètres, ils ont rien. Par contre, dans la vraie vie, on tombe de 3 mètres, on s'est pété. Ah, là, j'ai plus de jambes là. On s'est pété les jambes, on s'est pété la rotule. On est vraiment des fragiles en fait. Bon. Alors, t'as ça si tu veux, c'est une relique qui te permet de te protéger, tu subis moins de dégâts. Ok. Bon, alors lui il va mettre 20 ans bien entendu à venir. Bien entendu, il me fait mal parce que c'est un méchant. Voilà. Alors, attends. C'est bon! Je te laisse faire la phase en premier, de toute façon. Allez, après on défonce, headshot mes coups. Moi je laisse ta gros comme ça là. Voilà, je suis un enculé. Oh mais non, mon... j'ai sorti mon nozzle là. C'était chien. Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être sympa. Attention, il m'a aggro là. Putain! J'ai plus de vie par contre là, ça va être chaud. Hein. Je fais descendre Brood. Pourquoi t'as fait des dégâts de feu ou quoi dessus? Non, j'ai tiré personne là. Bah il a subi des dégâts de feu. Ah bah. Putain. Là y'a un côté à côté de toi, y'a un truc là. Je l'ai. Parasite, yes, bon. Je pense que là. Je vais essayer de me concentrer sur le corrosif. Et le plus de vie, Brood. Ouais. Stop, on arrête de... Je vais les attirer. J'attends juste qu'ils s'éloignent un petit peu. Je garde les trois merdes qui sont là avec nous. Oh non, je sais pas si c'est un coup là. Allez, tu me poses, connard. Ok. En plus, ils me font chier là, les trois merdes là. C'est bon, j'ai eu Brood. Yes. Ça y est. Et le 1. On a eu Brood, pardon. Oh, va, tu es au Brood, j'ai mis 3 balles dans la gueule, moi, c'est tout. Hein. Bon. Putain, mais cassez-vous! Putain, je me fais niquer par. Genre, toi, t'as l'électrique qui t'aggro, certes, moi, j'ai tous les autres. J'arrive pas à le mettre en. Ah, c'est... putain, il est. Ah là, ce coup, il est. Ok, stop, on arrête de leur tirer dessus. Stop. On arrête. Pardon. Alors. Est-ce qu'il est... Il est là-haut. Ah, mais on en parle de mon. C'est bon, normalement, je pense que tu peux te. Ouais, t'inquiète, je vais prendre le. Viens, l'auto. Voilà. Putain, mais il me fait chier le petit PD. Est-ce que tu pourrais foutre. Ah putain, j'ai recommencé en fait. Ça sert à rien. Hey, meurs! Voilà, ok. Va falloir passer en électrique parce qu'on va attaquer le dégât de feu. Ok, électrique, j'ai. Alors attends, je sais pas. Je crois. Attends. Faut juste. Oh! Vérifier un truc. Ah putain, j'ai attiré l'autre. Il reste une petite merde si tu veux te soigner.
Ouais, attends, mais il arrête pas de bouger ce con. Il t'aggro en fait, il te suit. Je lui ai mis low life comme ça, tu peux. Oh! Il est où? Il est mort. What? Bon, bah, je te soigne. Ça va. Okay. Hey, il est con, il a resté à niveau. Ok, stop, stop, j'ai fait de la merde. Je crois que j'ai réattiré le boost en fait, comme un con. Parce que là, je peux plus me soigner du coup là. Si, faut utiliser. Attends, j'essaye d'attirer l'autre. C'est bon, tu peux utiliser ta face sur boost, j'ai attiré l'autre. Bon, quoi. Bah. Ouh, je me suis fait one shot, d'accord. Ouais, faut... ouais, c'est les anciens dragons, faut y aller vite. Ouais. Je me suis soigné, je sais pas compris ce que j'ai fait, mais ça a marché. Ah. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Sans bloc électrique, avec des gars, ok, c'est bon. Donc lui, on peut le face et on lui décompte sa gueule, c'est ça? Ouais. Putain, il prend zéro dégâts, ouais. Parce qu'il est niveau 84. Mais dès qu'on l'a tué, c'est fini, on a gagné le combat. Et tu peux utiliser ta face pour le soigner, ou pour te soigner, ou ton... ouais, bref. Bien entendu, il a gros qui, il a gros bibi, c'est toujours la même chose. Utilise ta face pour soigner. Voilà. À chaque fois que je te vois low life, j'ai des boules parce que je sais que genre c'est ok, stop, on arrête de tirer dessus. Parce que je sais que ces dragons, c'est de la merde. Voilà. J'essaye d'attirer l'autre. J'ai réussi à l'attirer correctement. Donc là, tu peux utiliser ta face sur boost si t'as besoin de te soigner vu que l'autre est par terre, y'a pas de problème. Ok. Boost, c'est le slagger. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Putain, en fait, il est niveau 84, du coup, on a tout simplement plus à le slaguer. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être chaud. Putain, fous-moi la paix, boost. Bon. Ça va être sympa ce combat. Ah, t'es tombé? T'es tombé? Mais non! Oh, je suis tout seul! Ah, putain! J'ai reculé! Faut me soigner! Oh, fuck you, bitch! Oh, je vais essayer de définir, mais je suis pas sûr, je vais réussir. Ah là là! Vous pouvez vous foutre de ma gueule, je vous en autorise. Ah, pété! Oula, oh putain, j'ai eu un freeze là. J'ai cru qu'on... Tu vois ce qu'il faut que tu supportes à chaque fois. J'ai cru que mon ordinateur allait planter, j'étais là. Non, non, non. Il va y avoir peut-être un petit décalage audio, je m'en excuse. Je vais essayer de régler ça, donc il y a eu un freeze vers la 37ème minute. T'as même pas, ils peuvent même pas mettre une petite fenêtre pour que je regarde. Hein. Oh. Oh bah si tu veux, pendant ce temps, tu peux regarder tes questions. Hein. Ah oh, bah elles sont là moi. Ah mais je veux dire les faire. Bah les faire bah si tu veux, attends, qu'est-ce qu'il y a? Alors je vais feuilleter vite fait ce qu'il y a. Alors on m'avait posé si je prévois de faire une vidéo avec Squall 67, je pense que la réponse est donnée, non? Non, réponds-leur, parce que au cas où au cas où s'ils savent pas qui on est. Donc oui, bah comme tu peux le voir, là on est en train de la faire actuellement. Hein. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va poser d'autre? Si je comptais faire du Borderlands 3, si je continue ma chaîne jusqu'à sa sortie. Donc déjà, Borderlands 3, il n'a pas encore eu de date. Si, si. À part fin 2018, fin ça. Fin 2017. 17, ah. Bah écoute, si ma chaîne est tout le temps là, je pense que ouais. Hein. Et je pense qu'elle sera toujours là. Bien sûr qu'il y aura du Borderlands 3 sur la chaîne. Toi, je suppose, je pense que tu vas en faire aussi. Non. Non, pas non. Si, 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 si. Forcément, ouais. Comme mon habitude, je crois même que je ferai le let's play dessus. Ça, je pense aussi, mais je suis pas sûr. Ça dépend si j'ai envie de voir. Alors, après, on m'a demandé. Ah, tiens, une petite vidéo, une petite question autre que sur Borderlands, mais qui peut être intéressant pour nos abonnés. C'est que notre première vidéo sur. Le premier jeu qu'on a fait sur la chaîne. La première vidéo qu'on a fait sur notre chaîne. Moi, ça a été sur Minecraft avec mon ancienne chaîne à l'époque. Alors, moi, ma première vidéo sur un jeu vidéo, c'était, il me semble, Far Cry 3. Même que j'ai un commentaire de merde, parce que je savais pas encore commenter les vidéos. Et que ma caméra avait fait de la merde aussi, voilà.
Bref, la vidéo bien pourrite. Début de mission. Hop, ça c'est répondu. Bon, niveau cosplay, ça je répondrai hors vidéo dans une autre vidéo. Putain, là je suis en train de galérer à utiliser toutes les touches du clavier et de l'univers possible pour éviter l'autre enculé là qui me pète les couilles là. Et ben justement, ta galère va peut-être te permettre de répondre à une question. Ouais. Qui est, quel est le boss où tu as le plus galéré dans Borderlands 2 pour, en comptant les DLC. Voracide. Alors moi, le boss que j'ai le plus galéré, bah voilà, on y est actuellement. Tu te rends compte, j'ai dû faire ces boss-là en OP8, en OP0 pour savoir les faire. Vu que je comprenais rien à ce qu'il fallait faire, voilà. Sinon, hors DLC, il n'y a pas trop de grosses galères sur Borderlands 2. À la rigueur, Vermi. Ouais, Vermi Vorus, ouais. Déjà, faut le faire pop. Alors ensuite, bonjour Fuji, bon. Deux questions, quand tu es à la Japan Expo, hein, ça je répondrai dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Moi je ferai une FAQ pour les 10 000 abonnés, de toute façon vous aurez une annonce pour toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu, vous aurez une annonce chez Rabona. Alors on nous demande aussi si le jeu nous lasse à force de y jouer. Moi non. Moi, c'est pas que ça me lasse, c'est que je pense que sur ma chaîne, je pense que j'ai fait quand même à peu près tout le tour. Même si... Wouhou ! Pardon, j'ai eu l'autre boss. J'ai eu le dragon. Ah mais je dois être là pour continuer. Excusez-moi. En fait, tu peux pas revenir sur le truc dans ce jeu de merde. Donc je disais, ouais, je suis pas lassé du jeu, mais je pense que j'ai fait pas mal de choses sur ce jeu en vidéo, donc à force, voilà, je sais plus trop quoi faire dessus. C'est ça le problème! Je crois que ça fait au moins 20 minutes qu'on est à cet endroit ou un quart d'heure. C'est pas grave, ils vont être contents déjà rien que nous avoir tous les deux dans une même vidéo. C'est vrai. Et en même temps, on m'a demandé si ça nous lassait et si on avait toujours autant de plaisir à y jouer. Comme vous pouvez le voir, moi oui. Moi aussi. En fait, moi ça me lasse, mais genre que par moments, c'est par période. Il y a des périodes où j'ai pas envie d'y jouer. Et il y a des périodes où j'ai envie, en fait, c'est un jeu où par exemple, depuis que j'ai le jeu, donc depuis qu'il est sorti il y a 3 ans, il y a eu 4 périodes où j'avais envie d'y jouer et 3 périodes où j'avais plus envie. La première période, j'avais plus envie pendant une semaine, la deuxième, un mois, et la troisième, ça faisait presque un an que j'avais plus trop envie d'y jouer. Puis là, j'ai nouveau à fond envie d'y jouer, du coup, voilà, on fait encore plus. Bah oui, moi, tu vois, gars, je prends plaisir aussi, même si je galère des fois à jouer, mais c'est pas grave. Ah, je suis en galère aussi, vous devez entendre mon clavier, putain, j'ai plus de. Ok, j'ai plus de munitions. Et alors, et ma dernière question par rapport à Borderlands. Je les ai eu. Pardon. GG. Ah, je peux venir, impeccable. T'avais ouais. 5, 10 minutes où t'as rien fait, t'aurais pas pu foutre ton truc pour pouvoir courir plus vite. Ah non, non, tu sais. On va le faire, et hop. Alors, la dernière question concernant Borderlands, ce qu'on m'a posé, c'est, en gros, quand est-ce qu'on a découvert le jeu Borderlands. Ouais, la sortie. Alors moi, vous allez vous moquer de moi, c'est pendant un moment, je kiffais un jeu, j'étais en BTS informatique, je me rappelle. Je kiffais, ça c'était quoi déjà comme jeu? C'était, oh, je sais plus, bref, c'était un jeu pop around. Et il y a un mec de mon... Avec mon cours qui me fait, ouais tu sais t'aimes bien ce jeu là, mais il y a Borderlands qui est à peu près le même joueur. Je fais, oh, c'est quoi ça comme jeu? J'ai acheté une Borderlands 1 à Micromania, et puis depuis ce temps là, ben voilà. Et c'était quel jeu que t'avais joué? Je sais plus, c'était un jeu qui ressemblait, mais... Toi, c'était un... Le même genre. Ouais. Ça valait le coup de les tuer, ils nous ont rien droppé, ils ont coûté 8 milliards de dollars, c'est sympa. Moi, je dis, j'ai des bonnes idées de farm hein, à chaque fois. Oh, bah, je pense que... Non, mais là, c'est... on ne droppe que dalle, là. Putain, hey, mais vraiment, aujourd'hui, on n'a pas de chance. Et tu vois, hors vidéo, on va dropper 20 000 trucs. Bon, je pense que maintenant, c'était le dernier boss dur qu'on va faire, des boss simples, faut quand même qu'on droppe quelque chose. Bah ouais, quand même. Puis même, ça m'a fait chier que tu crèves à la fin, Techniquement, si on était à deux, on était à la fin du combat, mais quand t'es tout seul, et que t'as jamais zombie, c'est galère. Allez, bon, faire pardon, j'ai utilisé les 2 dés à chaque fois. Bah moi aussi, ouais. Allez, 15 dérivés. Ah bon. On va voir, alors... Ça, ok, ça valait le coup, c'est de la merde. Oui. Oui, que du vert et du bleu. Bon, alors moi je vais ouvrir mes questions. Alors, faut que j'active la luminosité à fond parce que j'ai pris des... Oh putain, j'ai pris des photos. Alors,
On va mettre ça comme ça, ça comme... Putain, ça comme ça. Du bleu, du vert, du Putain, bleu, il y du a une photo vert. qui est tellement bien prise qu'en fait j'arrive pas à lire la question, je crois. Alors. Eh, moi j'ai fait un petit papier Word et Ah, tout, ça j'ai y est, tout j'arrive. imprimé. Hein. Alors, question de The Evil Mango. Alors, quels sont tes types de jeux? Je pense que tu pourras aussi répondre toi aussi, hein. Donc, quels Bien sont vos sûr. types de jeux? Alors, pour ma part, FPS est également un jeu de type jeu, comme celui-là. FPS, un petit peu RPG, toi. Oh, Oui, toi. non. Moi, j'aime bien les FPS, mais attention, tu verras jamais. Pas normalement, ouais, je joue à Call of Duty, mais maintenant c'est fini, tu vois. Maintenant, allez, à la rigueur, Overwatch, parce que c'est un peu plus un jeu de d'équipe Ouais, que la Call of que où tu solo, fais boum voilà. boum boum chikawawa et puis Voilà, voilà. voilà. Et ce que j'aime pas, bah, c'est pas trop un rapport, mais tout ce qui est RPG avec Witcher et tout ça, non, tu ne verras jamais jouer à ça. RPG genre quoi? Bah, genre Witcher, Ah, The Witcher, toutes ces conneries. Skyrim et conneries du genre. Ah, ça j'aime bien, tu vois, pour ma part. Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que je me fais chier quand je vois ça, en Il y a trop de fait. choses à faire. Ensuite, ferais-tu des jeux compétitifs tels que Counter-Strike Global Offensive? Je pense pas, pour ma part. Je sais pas toi, mais moi je pense pas. Nine. Nine. J'ai fait cette compète quand étant plus jeune et ça m'avait donné un mauvais caractère. Et ensuite, des bons plans pour les pièces PC ou pour des pièces PC ou pour Borderlands 2? Non, j'ai pas de bons plans, j'ai pas de partenariat. Donc je n'ai pas de bons plans, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Je suis 100% sans partenaire. Je vais peut-être essayer, je vous le dis tout de suite. Attends, j'ai eu du rouge quelque part. Ah non. Oh bah. Oh, une arme violette, c'est très pratique. Oui, dans 2 mois, je pense que j'essaierai de passer la chaîne en partenaire. T'as toujours pas de Non, network? j'ai jamais fait. Enfin, tu me diras, moi j'en ai pas non plus, alors. Moi, j'ai jamais fait. Et donc là, je vais le faire, je pense. Vous aurez une vidéo annonce de toute façon. Pour ça. Et également pour la chaîne Twitch. Bon, je sais que je pourrais pas être partenaire Twitch direct parce qu'il faut être pas mal connu, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les coffres? Ensuite, alors, on a que de la merde. Je vais te laisser Du choisir vert. tranquillement le boss. Pendant ce temps, moi, je vais lire les questions. Question de Alain Alio, un des abonnés les plus actifs. Yo Squall, comment as-tu commencé la muscu, motivation, entraînement, etc. Mais en fait, j'ai réalisé que j'avais un physique de camembert et je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'y mette. Parce que, genre, parler, c'était bien. Genre, j'étais là, ouais, je fais ça. Puis en fait, je faisais 3 pompes, 2 abdos, j'étais mort. Je me suis dit, il faudrait peut-être arrêter de parler et commencer à s'y mettre. J'ai commencé par faire des exercices avec une paire d'haltères. Genre le rowing, je le faisais avec une paire d'haltères, 10 kilos par main, le soulevé de terre aussi. Et je galérais en plus, je vous raconte pas la faiblesse. Et voilà, et puis après, au bout d'un moment, bah t'es motivé. Ensuite, question de Energy Gaming, sinon feras-tu des vidéos sur BF1? Oui, pour ma part, et toi? Tu en feras? Si, tout bon. Peut-être. Ah oui, il tournera sur ma Xbox, ça Ah c'est oui, sûr. merde, je suis con. En plus, j'ai acheté un nouveau EverMedia et tout pour la Xbox, alors. 360 Ouais, ou peut-être. Xbox One? Xbox One. Ouais, parce que je me suis dit 360, déjà Borderlands 2. Ceux qui sont sur 360 et PS3 et qui jouent à Borderlands, autant, bon, Borderlands 2 c'est Borderlands 2, autant sur PS3 et Xbox 360, rien que les graphismes et même la manière auquel c'est pas fluide, pour ma part, ça ne me plairait pas de jouer comme ça. À la rigueur, sur One et PS4, tu vois, c'est bien vu qu'il y a les FPS qui sont améliorés et tout, et les graphismes qui sont améliorés, mais j'ai été très déçu de la version Xbox 360 et PS3 de Borderlands 2, pour ma part. Je sais pas toi, vu que t'as joué souvent sur Xbox, ce que t'en as pensé, mais pour ma part, moi, j'ai pas trop aimé. C'est beaucoup plus fluide sur One, hein, ça c'est sûr. Ensuite. Bon, bah, 360. D'ailleurs, je vous réponds tous à vos questions là, tous ceux qui me passent des abonnés. Tu joues plus sur 360. Bah, 360 est morte. Voilà. Bon. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une Xbox One. Bah ça, au moins, c'est fait. Alors, ensuite, question de Aziritos Pendragon. Bon, c'est des noms. Je m'excuse si j'ai pas réussi à prononcer ton nom. Quel est le boss que tu as le plus galéré sur Borderlands 2? Bah, comme j'ai dit avant, Voracide. C'est pas le même qui a posé la question. Je sais pas. Baptiste Prunet, quel a été ton premier jeu, à quel âge, et ton jeu préféré de tous? Mon premier jeu, ça a été Je sais Star pas quoi Wars faire, je sur la pense. Nintendo 64 de mon père. À quel âge? Je dois avoir 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et mon jeu préféré de tous?
Actuellement, Borderlands 2, mais de tous les jeux auxquels, de tous ceux que j'ai joué, le jeu auquel j'ai passé le plus d'heures, ok, je vais perdre toute ma virilité, mais c'est pas grave, c'est les Sims. C'est le jeu auquel j'ai passé le plus d'heures de jeu. Mais vraiment. Alors, ensuite, c'est une question de Ealites Killer. Désolé encore une fois si je prononce mal les pseudos. Je suis sur mon téléphone du coup pour voir les questions, c'est un peu galère. Salut Squall, déjà continue, tu gères, je te suis depuis tes 3000 abonnés, tu évolues bien grâce à ton retour, donc je te remercie, c'est super sympa. D'ailleurs, je vous remercie tous pour tous ceux qui mettent des super commentaires. Et ensuite, question, comment as-tu appris tout ce que tu connais sur Borderlands? Ben, en regardant quelques vidéos en anglais, mais aussi en jouant par moi-même. Par exemple, pour les anciens dragons de la destruction, les techniques en anglaise, j'arrivais pas. Leur truc bizarre, tu fais 10 000 switches et toutes ces conneries, c'est bon, allez, c'est pas pour moi. Et j'ai appris une technique plus simple et ça marche. Tu vas redevenir actif sur Twitter, peut-être. Faudrait peut-être que je retrouve mon mot de passe déjà et mon compte surtout, mais je pense. Et vas-tu ajouter tes abos sur Skype pour qu'on puisse te parler? J'ai pas de Skype, j'ai dû en créer un pour cette vidéo et je le supprime juste après, je pense. Ou alors en tout cas, je le désactive et je le réactiverai si un jour on a besoin de se reparler parce que Fuji, ça marche pas chez lui, le chat vocal Steam. Du coup, comme je l'ai dit, pour les 10 000 abonnés, je prendrai une certaine quantité d'abonnés sur Steam et on pourra se parler tranquillement là-dessus. Oula, tu veux faire... Bah, je sais pas trop quoi faire en fait. Tu veux faire... Ok, bah c'est cool ici, il y a du corrosif. C'est cool, je mets juste on sait qui, puis on peut y aller. Surtout que là, je parle depuis tout à l'heure, donc je vais juste Fuji si je fais chier, je réponds aux questions, puis après on lui retourne. T'inquiète pour, hein. Alors, ensuite, toujours question de Elites Killer. Si t'as un charnu, tu me préviens, je me pointe. Ah ouais, c'est ce que je Est-ce vais que tu voir en attends fait là. Borderlands 3? Oui. Peux-tu nous faire des vidéos en facecam? Il y en a déjà. Facecam, putain, l'accent de merde. En facecam, Wow, le fast il y game. en a déjà, mais je ferai peut-être des vidéos, si je, par exemple, je recorde directement des gameplays, pourquoi pas utiliser ma caméra pour faire le jeu comme ça. Enfin, en facecam, voilà. J'ai réussi à le dire. Ensuite, question de Skyro. Salut Squall, est-ce que tu penses faire des speedruns de Borderlands ou essayer? J'en ferai, mais quand j'aurai ma chaîne de live. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi. Pour l'instant, elle n'est pas encore lancée. Je la lancerai également quand j'aurai fini mon stage. Dans 5 semaines, je travaillerai là-dessus pour pouvoir faire tout bien, pour pouvoir bien faire le truc. Ah, Alors. moi, on m'a demandé aussi si je voulais faire des lives. J'ai répondu aussi. C'est que c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Bah, t'as une connexion pas super, t'as dit. Et puis, si j'ai rajouté OBS sur mon PC, déjà avec Action, j'ai du mal à record. Ouais. Sais pas s'il va être content, mon PC. Hein. À la record du Hearthstone, Passe bon. partenaire comme ça à 4000 abonnés ou même avec 8000, vous voyez, quand on passe partenaire, on gagne des milliers d'euros. Hein. On va pas s'acheter des ordinateurs de ouf, tout le monde va. Ouais, bon, allez, faut que j'arrête mes Ouais, on m'a conneries. demandé aussi ça si je comptais gagner ma vie avec YouTube. Alors, non, pas du tout. Bah... Parce que je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour plaisir, moi. Et en plus, même... Et je on n'est pense même que pas maintenant, partenaire. de nos jours, je pense que c'est très difficile de gagner notre vie sur YouTube. Encore Twitch, avec les dons et tout, mais sur YouTube. À la rigueur, s'ils mettent l'option soutenir la chaîne, à la rigueur, c'est une option pour faire des dons sur YouTube. À la rigueur, on peut vivre, mais bon, pour l'instant en France, c'est pas possible de le mettre. Non, non. Malheureusement. D'ailleurs, en plus, on n'est même pas partenaire, du coup, cette question elle est assez bizarre, mais bon. Moi, je passerai partenaire parce qu'on va dire que pour acheter mes jeux, je suis un petit peu en galère et j'ai fait un petit peu le calcul. Et à l'heure actuelle, je fais 100 000 vues par mois, ça serait à peu près 30 euros par mois, du coup ça pourrait me permettre d'acheter mes Ouais, jeux. t'achetais un petit jeu, ouais. Voilà, c'est pour ça que je vais passer partenaire pour m'acheter mes jeux. Parce que la muscu ça coûte cher et j'ai pas d'argent pour acheter les jeux. Et je pense que si je fais pas de vidéo sur Borderlands 3, vous allez pas être content. Même de toute façon, vous aurez une vidéo pour parler de moi qui veux devenir partenaire, ça y a pas de problème. En plus d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'une fois il y a quelqu'un qui m'a dit, je fais ça pour les thunes, je crois, quand j'avais 6 000 abonnés. J'avais rigolé parce que déjà, si t'es en dessous au minimum des peut-être 150 000, 200 000 abonnés actifs. T'as pas moyen de sortir un SMIC juste avec les pubs, ça c'est clair. Non, moi ce qui me fait rire aussi c'est les... Bon, je pense que tu peux en avoir aussi ce genre d'abonnés là. Des abonnés genre qui disent oh, ta vidéo elle sert à rien, tout le monde connaît. Mais est-ce qu'ils regardent la date de sortie de ta vidéo? Ah, c'est complètement con, ça c'est vrai. Ça j'en ai pas, il y en a certains qui me disent la vidéo elle est pas très utile parce qu'il y a des gens qui savent pas, mais enfin qu'il y a tout le monde qui connaît. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est pas parce que eux connaissent que tout le monde connaît aussi. Voilà. Il y a eu la sortie de Borderlands sur PS4, c'était un enculé de ta mère. Non, parce que moi j'ai eu un commentaire ça il y a un mois. Alors que la vidéo elle sortait en 2013. C'est ça. C'est normal. 2013, je crois qu'il sortait seulement pendant maintenant.
Il est sorti en 2012, je crois, ouais, 2013 aussi. Ouais, c'est vrai. Putain, mais on a la poisse là ou quoi? Bon, alors, on va faire quelque chose qui loot très facilement. Le farm que tout le monde attend, les nabo butins. Voilà. Ah! Je l'ai choisi, je sacrifie un farm de boss dur pour farmer les nabo butins. Allez, on va faire un peu les tapettes. Je m'équipe en électrique, on va les faire. Ensuite, Kerry m'a demandé si tu montreras ta tête un jour. Bah, c'est déjà fait, mon petit. Petite question de Zorskok, enfin commentaire de Zorskok. C'est un russe, Zorskok, yeah. Je sais pas. Premier truc, gameplay super, donc je te remercie. Et deuxième question, enfin deuxième partie du commentaire, comment t'as évité de faire des vidéos sur YouTube? J'ai déjà expliqué dans des FAQ 100 000, FAQ, yo 100 000, FAQ 100 abonnés. Ouais, j'avais fait une FAQ aux 100 abonnés aussi. Allez la voir si vous voulez. Le pire, c'est que j'avais eu plein de questions, c'est ça le pire. J'avais eu des questions en Ah, moi, message privé. ma première FAQ, je l'ai fait aux 700 abonnés. Moi, je l'ai fait au 100, tu vois. Genre, j'étais un peu précoce. Ouais, 100 abonnés, quand on vient de commencer, c'est Ouais, mais le pire. c'est bien. Moi, j'avoue, même 100 abonnés, c'est bien. Tu dis à 100 personnes Rien qui que regardent. là, moi, je suis heureux, moi, avec ce que j'ai là. Bah, aussi, mais je vais pas être là. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je crois que dans toutes mes vidéos, à savoir que là, il y a 400 vidéos sur cette chaîne, et que sur mon ancienne chaîne, pendant un an, j'avais mis 300 vidéos. Je crois que au maximum, j'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner, blabla, ce genre de conneries. Les likes à la rigueur, je le demande à la fin, parce que ça fait toujours plaisir un like, mais les abonnements, je crois qu'au total, sur mes 700 vidéos que j'ai postées, j'ai peut-être dit 5 fois. Oh. 5 ou Bon, 6. attention, je vous préviens, il y a la trompette de la mort qui arrive. Pourquoi? Ah. Bon, bref, comment j'ai eu l'idée de faire des vidéos? C'est très simple. J'avais un de mes potes qui avait commencé, et je me suis dit que si lui il le faisait, je pouvais le faire. Du coup, j'ai commencé les vidéos. En un an, sur ma première chaîne, j'avais fait 300 abonnés, j'étais pas super content, du coup j'ai recommencé cette chaîne, Squall67, pour repartir sur de bonnes bases. D'ailleurs, en novembre, ça fera 5 ans que je fais des vidéos, je vous ferai peut-être une petite vidéo spéciale. Ah ouais, t'es plus vieux que moi alors, je crois. Ouais, et je vais essayer de retrouver des... Parce que j'ai des tout vieux gameplays de ma première chaîne sur certains disques durs, du coup je vous les mettrai, et je vous ferai peut-être un petit best-of si j'y arrive. Ensuite, dernière question que je prends, parce que maintenant il est peut-être temps de jouer. Salut! Question de Tommy Renaudin. Salut, je voulais savoir si tu connaissais des gens motivés pour refaire un perso sur Borderlands 2, parce que c'est difficile de trouver des Français. Bah ça, je vous le dis, les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer des sessions entre vous. Il y a très peu de chaînes Borderlands francophones. Du coup, si vous arrivez à vous rencontrer, que ce soit sur ma chaîne, celle de Fuji, ou sur d'autres chaînes francophones, n'hésitez pas à vous dire, Appelez-vous à de vous pseudo, proposer tout non? simplement de faire des parties ensemble. Si on se fait rencontrer des gens, c'est cool. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Donc voilà, ensuite pour tous les autres, je ferai comme je l'ai dit une FAQ aux 10 000, du coup vous inquiétez pas, il y aura... Ouais, moi c'est pareil parce que j'ai eu beaucoup de questions, on va dire un peu plus personnelles, parce que niveau cosplay, il y a que moi là sur nous deux, je pense. Bah tu sais, tu peux aussi les faire niveau muscu, je sais pas si t'en fais en fait ou pas. Muscu, non, moi en fait je vais à la salle de temps en temps. Mais c'est uniquement pour me défouler quoi. Ah ouais, C'est après une quand... semaine de taf, hop, je me défoule là-bas. Puis c'est tout. Putain! Moi, je fais 6 fois par semaine. Mais ouais, les cosplays. Ouais, 6 fois par semaine, ah oui, quand même. Ah bah, tous les jours. Non, mais attendez là. Attendez là, ça commence à me péter les couilles là, dis donc. Je crois que je vais crever parce qu'en fait, il y a que le seul truc que je peux me relever, c'est un brutal ultime. Ah merde, puis je suis loin, moi là. Adieu. Non! Putain! Voilà, pardon. Bon, voilà, ça c'était le truc. Bon, voilà, si tu veux répondre au cosplay, y'a pas de problème. Bah attends, bah à part que tu fasses... Attends, je vais tuer ces merdes là avant. Bah non, en fait, je suis là même. Parce que j'ai un certain Sacha Lèche qui devrait se reconnaître, qui m'a posé masse questions. Ouais, pour faire plaisir, je vais lui répondre. Parce que je sais que ça fait longtemps qu'il me suit sur ma chaîne. Je pense même que tu l'as en abonné aussi. Il me semble que c'est. Je crois même que j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec lui sur Borderlands. En fait, Oh depuis putain. que j'ai repris les vidéos, j'ai énormément de commentaires. Enfin, énormément. Je n'ai pas tout le temps les 100 commentaires, du coup, je lis tout, parce que forcément, bah, je réponds quasiment à tout le monde. Du coup, ça prend du temps, mais je réponds quand même à tout le monde. Mais des fois, je ne me souviens absolument pas du pseudo de tout le monde. Bah, ça, je pense que c'est normal. Alors, il m'a posé beaucoup de questions, hein, donc je te préviens. Ah, y a pas de Il m'a problème, posé. hein. Alors, il m'a dit quand ma passion pour le cosplay a commencé.
Eh ben mon petit Sacha, elle a commencé il y a... Attends, j'ai pas de conneries. On est en 2016. Il y a 3 ans. J'avais fait une première convention, la première Japan Expo que j'ai faite c'était en 2012. Je me dis l'année prochaine, je vais faire un cosplay, puis voilà. Putain mais il me fait chier ce rack de merde, pardon, excuse-moi de te couper. T'inquiète. Et puis depuis ce temps-là, bah voilà, j'essaie de m'améliorer niveau cosplay. Et à quoi ressemble ton premier cosplay? Mon premier cosplay, écoute, j'ai pas de photo parce que j'étais tellement pourri qu'il y avait personne qui m'avait pris en photo en convention. J'avais pris des vêtements, des vieux vêtements et tout. C'était, je sais pas si tu connais Mirai Nikki comme animé. Et j'avais fait Yuki dans Mirai Nikki. Voilà. Je connais pas trop les animés. Enfin, je sais pas si tu parlais à moi ou à ton abonné en fait. Ah, je parlais à l'abonné. Ah, merde, pardon. Ah, il me demande. Ah, là, carrément, il me demande mon avis sur Battleborn. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, t'as dit que c'était déçu. Et le recommanderais-tu? Bah, écoute, je vais pas dire non parce que. Je vais pas dire non ni oui. Hein, tu fais comme tu le sens. Si t'as envie d'acheter Battleborn, tu l'achètes. T'as pas envie de l'acheter, tu l'achètes pas. Mais sache que j'ai été très déçu, moi. Si oui, mon personnage pas favori, bah écoute, ce que je trouve bête dans Battleborn en fait, c'est que il faut que tu up en un niveau pour débloquer les personnages. Ou tu fasses des défis, je trouve ça tellement con, je préfère avoir tous les personnages directs d'un coup. T'as la flemme toi, t'es un gros flemmard. Ah ouais, moi je suis un gros flemmard, ça tu dois le savoir. Je t'attends. j'arrive. Putain, je suis perdu dans toutes ces questions, il m'en a posé quoi. On continuera vers la suite, t'inquiète pas, je continuerai tes questions. Oh, il a drop. Bon, c'est de la merde. Ouh, on a drop. C'est de la merde. Des grenades. Attends, je vais faire un truc. Normalement, je crois que j'ai fait... Attends, j'ai une petite liste avec tous les légendaires que j'ai fait en vidéo. Oh putain, on a Jimmy, il casse les couilles, lui. Ça sert à rien, surtout. Bon, je vais utiliser... Attends, je vois... Arrête de bouger. Adieu. Bon. Alors, attendez, bon. Je vérifie, Rolling Thunder... Putain, chaud, je crois que c'est du perlé, hein, le... Fais gaffe, le prends pas, parce que je crois que j'ai... Non, je le prends pas. Rolling Thunder... Bon, ah bah, pour finir, on peut aller même jusqu'au... Ouais, ouais. Bah, au de... fils de Bidule, là. On n'a pas le choix, on doit pas... un truc. Ouais, je l'ai fait, Rolling Thunder. On ne sait pas, on a dit. Alors, combien de temps la vidéo? Je vais checker, ça doit faire... Ah, oh, ça va bien faire une heure, là, non? Une heure, ouais. En effet, du coup, on fait ça, on fait encore un petit farm après ou pas? Il est quelle heure là? Putain, j'ai crevé, voilà, j'étais en train de. Bientôt. Ouais, on peut faire un petit farm après si tu veux. Bon, écoute, Sacha, je continuerai le reste de tes questions dans la prochaine vidéo que je ferai. Hein. Parce que là, on va se concentrer un peu, hein. Mais là, déjà que je suis mort plein de fois comme une merde. Alors, on va utiliser ça. Voilà! Let's go! Let's go, baby! Let's do it. On va peut-être trouver un charnu là sur le chemin. T'as de l'espoir. C'est possible hein, mais pour. Imagine. Si j'en trouve. Là-bas j'en trouve sur One, j'en trouve souvent. Hein. Imagine on trouve deux racks charnus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah c'est de la merde. Ouais ici on a souvent, mais en même temps ça fait chier. Y a Teddy qui est souvent là. Teddy. Le Skag. Tabi Skag plutôt. Ouais, j'appelle Teddy moi. Ah. Putain, à chaque fois qu'il y a un fossile, je crois que c'est un charnu. Genre, je coupe ma respiration, je suis là, putain, il y a un charnu, putain, ah bah non. Alors, est-ce qu'ils sont sortis, les salauds? Non, ils sont pas encore sortis. Oh. Putain, ah non, c'est un enragé. Les rats qui pètent les couilles là. Oh, foutez-moi la paix, bande de chiens. Voilà. Putain, ils sont pas encore sortis, hein, les... Ah, ça y est, il est là. Voilà. Moi, quand j'ai la flemme... Voilà. Ouais, je suis mort contre des soldats. Ah ouais. Ah non, c'est lui qui m'a saqué dessus, là. Incendiaire. Non, mais il est mort, ouais. Je cherche à rien. Putain, moi, je me rappelle dans le 1, putain, c'était tellement chiant ça quand l'autre.
Trucmuche a une quête à vous proposer. Trucmuche, enculé, a une quête à vous proposer. Ouais, moi ça m'a saoulé ça. C'est pour ça que j'avais commencé les DLC en let's play. En plus, j'avais commencé par le plus nul, je crois, les DLC. Lequel? Claptrap. Ah, je connais pas. Ouais, les DLC. La révolution des Claptrap. J'ai jamais fait les DLC. Mais bon, moi tu sais, je commence un let's play sur la chaîne, souvent c'est rare que je termine. Hein. Moi aussi. Je suis tellement Borderlands flemmard. 1 que c'est le seul que je vais terminer. Je suis tellement un flemmard. Parce que bon, les vidéos de let's play en fait, elles marchent. Il y a moins de gens qui les regardent. Du coup déjà... Ah moi ça je m'en fous, mais c'est parce que j'ai surtout la flemme en fait. Ah moi je t'explique, il y a moins de gens qui les regardent et il y a plein de gens qui m'ont dit justement, poste plus d'autres vidéos, les let's play, il y a personne qui les regarde. Là tu me coupes, là tu me laisses pas finir, là aussi, là putain... Après on croit que je suis un gros enculé qui regarde que les vues à cause de toi. Et il y a des gens qui m'ont dit ouais ça arrive tu fasses le let's play machin. Et il y a plein de gens qui disent ouais finis-le. Du coup moi celui-là je le terminerai, je vais donner ma parole à une abonnée, alors je le terminerai. Puis le truc c'est que moi j'aime bien jouer avec mon home cinéma. Et quand je fais une vidéo, bah je peux pas le brancher mon home cinéma. Pourquoi? Parce que mon laver média il est pas compatible dessus. Ah merde. Donc je vais mettre le son de ma télé. Bon, alors lui, faut attendre qu'il nous... Et souvent, madame est là, et moi, je n'aime pas faire des vidéos quand madame est là. Moi et mes aussi. Parents, ouais, parce que moi, j'habite encore chez mes parents, hein, je suis à peine majeur, hein, je suis encore un enfant. Je suis solitaire dans mes vidéos, moi, j'aime bien être tout seul. Ah, tu l'as mis... Ah non, peut-être ici, ça devrait marcher. Ah ouais, je croyais qu'il allait descendre. Ouais, c'est bon, c'est tombé. C'est tombé. Et on a rien, là, hop. Comme d'habitude. Et quand même, en une heure, on a quand même réussi à drop un légendaire. Eh bah putain. Waouh. Je sens que ça va être pas mal, ça. Ici, il va y avoir un légendaire dans ce coffre. Ah bah non. Bon bah voilà, on a rien drop. Alors c'est attends, super. Tu peux déjà... C'est à toi de choisir le truc que tu veux farm. Alors j'ai du mal à trouver où aller à Saturne, alors là. Tu veux farm qui? T'as pas un parcours? Si, il y a... Ok, il y avait rien dans ce... Si, va au fridge. Fringe. Petit parcours. Ah, avec Batman et toutes ces conneries. Ouais. En plus, il drop beaucoup là-bas. Il y a deux gros coffres et trois boss. Avec la chance qu'on a. Oh, tu vois, on va rien drop. Non, je pense que là-bas, on va drop un légendaire. Allez, allez, on est fou. Le Batgun, le pistolet qui sert à rien. Le Batgun. C'est quoi le Batgun? Bah je sais plus si il s'appelle comme ça, c'est le... Ah le boomerang là, ouais, je sais pas quoi le là. Le gunrang. Le gunarang, voilà. Et pour finir, je vais être gentil, je vais jouer avec autre chose que la Sandok. Ah moi, je joue qu'avec la Sandok ou le Harold. Ça c'est fait. Moi je vais jouer avec... Le Pimpernel. Ce que j'avais fermé avec le Puffy Gentleman, c'est que je vous ai jamais fait en vidéo. You! Alors cette zone là dans le jeu elle me casse les couilles. J'aime pas du tout ces mobs là moi. En plus ils viennent te piquer de l'argent ces salauds. Au pire les thunes elles servent à rien dans ce jeu. Ouais mais bon. Au début tu sais pas ça quand tu découvres le jeu, tu dis putain il me pique mes sous l'enfoiré. Allez tu me drop le gub toi. Ah bah non. Ah bah comme d'habitude. Je crois que l'arme que j'ai elle pue un peu du cul. Ok que du jaune. Du... du vert. Là j'étais là le mec il a droppé un coffre de merde comme ça en full légendaire. You. Bon moi je rush hein. Je vais voir Batman là. Bah y'a encore un autre mob entre temps. Ouais, sur la glace, je sais pas quoi, là. Ouais. D'accord. Ah, je suis une bite, j'ai pas mis mon Norfleet dans l'inventaire. Bon, j'ai bien tué un, là, quand même, voilà. Alors... Moi, je suis un peu une tapette. Du coup, on y va au Norfleet, quand même, pour se relever. Putain, je vais y arriver ou pas là? Attends, je vais mettre mon Norfleet aussi parce que je.
Non mais arrêtez de me tirer dessus là, je suis en train de tranquille de mettre mon Norfleet là. D'accord. Bande de salauds. Putain, on pue un peu du cul je crois. Attends, lui là il pète les couilles. Ras des champs là. Bon, petit headshot, tu vois là, 1h10 de vidéo quand même. C'est sympa. Ah bah là je pense que... Après si tu veux on peut la faire en plusieurs parties hein. Mais ah bon. Moi je mets tout d'un coup. Ouais voilà. On va se faire chier, on leur fait une vidéo tous les 6 ans, du coup ils ont bien le droit à leur petite heure de gameplay. Puis même, tu la fais en 2 parties, ça revient au même. Si les mecs ils ont pas le temps de la regarder, ils mettent pause, ouais, puis bah ils la regardent le lendemain. Et hop. Bon bah ça c'est fait. Moi j'étais là tranquille avec mon petit sniper et tout, et puis t'as Fuji qui se pointe. Bon bah écoute, on va y aller avec ça. Voilà, voilà. Ah le gentleman Pimpernel, il est pas mal. Vas-y, moi Joseph, je tire au Norfleet. Pas de pitié. J'ai crevé encore. Non. Je sais pas si c'est dire le mot crevé, moi. Excuse. Hein. Voilà. Alors. Ah, ouh. Ah, il est sympa le. Le Pimpernel. Ah, mais. Il avait une tête à une époque. Alors, qu'est-ce... là-dedans, il y a souvent du légendaire. Bon, on va rien drop parce que c'est comme ça, voilà. Voilà, on a droppé du bleu. Why oh, ah, ça pique. Putain, il m'a envoyé des balles, l'enfoiré. J'avais oublié ce petit détail. Eh, mais tu cours vers moi. Moi, je voulais aller loin, comme ça, il te tue, toi, et puis moi... Bon, bah, il a gros qui, bien entendu. Il m'a gros moi. Voilà. Vas-y, hop, Osef, bim, faites pas chier. Voilà, GG. Alors, est-ce qu'il y a loot quelque chose d'intéressant? A-t-il loot le putain de peupon de merde? Eh, hey, j'arrête pas de faire des niveaux de brutasse là, c'est cool. Je suis à 134 500. Oui, regarde, on a rien loot, hein. Ah, comme d'hab, hein. Je te tire. Allez. T'as bien entendu, vu que je suis une merde, je fail. Oh, le bois de chat. C'est là que tu te rends compte quand même qu'en OP8, les armes qui one-shotaient tous les ennemis au niveau 50, bah il leur faut 50 balles maintenant. Ouais. Ah, encore quand t'as ton beat chargé. Ouais, c'est ça en plus. Ça le pire. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu crois te cacher? Je me rappelle plus qu'il était aussi long le chemin pour aller voir Batman. Parce que d'habitude, en fait, on utilise les armes qui font courir vite. Du coup, le chemin, il est fait en 2 secondes. Cours vers moi! Je cours vers toi, me v'là! Activons! Bande de tapettes! Non, j'ai quand même envie de tuer lui. Ah, bah j'en ai eu un. Bon. Putain, on a l'impression que c'est un film d'action avec tous les ennemis qui tirent et tout, et piou piou piou, et tu vois. Pardon. Bon, il va nous loot lui. Je pense que lui il va nous drop rien. Ah bah. Voilà, comme d'habitude, non? Et là, il va y avoir un légendaire. Ah bah non. Bon bah, c'était sympa, hein. Allez, salut. Ah, c'était cool, hein. Allez. Ah, je vais tuer une chrysalis, qui soit, ça fait tellement longtemps, j'en ai jamais tué. Ah bon, j'en ai tué il y a pas longtemps parce que j'ai essayé de faire pop le. Le vermi. Mais bon, sans succès encore une fois. Alors. Sans succès. Ah putain, je vais dire, il fait je sais quoi les dégâts que j'ai pris là. C'est lui là. Ah, je pense que maintenant on va devoir y aller, je pense. Bon, je pense que ça fait déjà une bonne petite vidéo, Laurent. Ouais, bah là, c'est pas trop une petite.
Ah, c'est la version ultime. Et ça valait le coup d'attendre. Reste calme. Merci, merci. Ah, je t'ai sauvé, quoi. Merci. Enfin, c'est pas compliqué, sauver quelqu'un. Faut maintenir une touche. T'as le mec. C'est compliqué, hein. T'as le mec, il était là, ouais, je t'ai sauvé et tout. Ouais, t'as appuyé sur une touche. Putain, par contre, ah, c'est un mec de merde, il pète les couilles là. Ah, je crois que j'ai tué le gars que tu voulais utiliser pour vivre en fait. Non, parce que j'avais plus de balles dans mon Norfleet. Je suis pour chaud. Je sais pas si bleu il loot des trucs. Bleu il loot le. Merde, comme le Hoplite mais en légendaire. Ah, ça tu vois, je savais pas. J'allais peut-être le faire en C4. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus du nom du bouclier, mais c'est la version légendaire du Hoplite. Bon, bah, je pense que là on va devoir se quitter, hein, parce que bien, malheureusement. Ouais, je vais peut-être me mettre dans un petit endroit tranquille. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous avez regardé jusqu'au bout, ben, je vous dis bonjour et merci. Bonjour et merci. Je crois que c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais je suis pas sûr. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on vous en fera peut-être encore quelques-unes, peut-être un jour. Bien sûr, peut-être même avec des petits abonnés en plus dedans. Ah, pourquoi pas, ça me gêne pas. Ça serait drôle. Bah, je m'avance pas parce que je crois que je vais me faire spam tous les jours. Quand est-ce que tu fais ça? Quand est-ce que tu fais ça? Ouais, ouais, la même. On va dire que si on le fait, et bah, vous serez pas prévenu. Voilà. Bah, on va faire un truc avec les abonnés sans les prévenir, comme ça. Comme ça, voilà. Ce sera contrôlé. Et il y a des zones que j'ai pas encore découvertes là-dedans. Il y a un boss que j'ai jamais fait. Ah bon? Ouais. Genre ici, je suis jamais allé. Putain, sa mère, je découvre des trucs. Sur cette porte et tout. Ouais. Ah si, ici. Ah d'accord. Bon, bah, je pense qu'on va se quitter dans la cave. Hein. Écoute, hein, c'est toujours... Voilà. Dans la cave. Bon, je pense que c'est l'heure d'y aller, puisqu'on est fatigué. Il y a Fuji qui commence à faire des avances à Squall, ça devient bizarre. Donc écoute, on va se proposer un petit duel. Viens, on fait un duel au sniper pour rigoler. Attends, je suis un peu sur un sniper sur moi. Ouais, alors attends, moi je vais prendre un petit sniper qui fait pas beaucoup de dégâts. J'ai l'invader, c'est tout. Ah ouais. Celui que j'avais drop en vidéo, c'est tout. Oups. Oups, c'est le Skull Masher. Oh. Il est où cet enfoiré? Elle est là. Ah, tu veux te battre, hein? Tu veux te battre, hein? Quick scope et tout, hein. Putain! J'ai appuyé! Putain! Enculé! Hey, GG! Il est fort, le invader! Le invader, putain, l'accent. Le invader! C'est quoi ce que t'as? Tu dis quoi comme arme? Là, je dis le invader. Tes compétences nous dépassent. Putain! Allez, mais prends tes balles! Mais prends tes balles! Mais prends! Eh, hey, mais tu prends pas tes balles! T'as utilisé le shame! Enculé! Hein? Ah non, t'as le zombie. Non? Ouais? Mais on est pas en duel, je crois, en fait. Putain, ouais, merde! Je me dis merde! Putain, et je t'ai tiré 5 fois dessus. Mais j'arrive pas à le croire! J'arrive pas avec cette arme de merde! C'est de la faute du sniper. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, tu vois. C'est lequel celui-là? Ah, le volcano. Voilà. Putain. C'était le volcano ou le storm? Volcano. Non, volcano. Alors, on va tester avec ça. Je te mets au défi. Moi, j'ai que celui-là, donc ça va être simple. Ah, mais faut que je te donne. Voilà, faut que je te réponde le duel. Skull Masher. Non, même pas. Putain, oh, le... Vraiment, le... Putain, il est plus... En plus, je l'avais looté dans une vidéo celui-là, mais en fait, la vidéo l'a planté. Je t'ai fait un de ces quick scope là. Voilà. Putain, t'en foirais, là. Alors, ensuite, il y a quoi comme arme qui est là? Oh, attends, je vais tester un truc. Est-ce que j'arrive avec ça? Attends, je regarde ce que j'ai comme arme, le moi. Duel avec une arme, mais la plus pourrie de l'univers. Non, j'ai rien de super là-dessus. Ah si, j'ai un sniper.
individuelle. Moi je vais y aller avec ça. C'est quoi, c'est l'arme... J'ai l'impression que tu me fais zéro dégâts. Normal, je te touche pas. Dégâts. Ah bah voilà. Ah, j'allais dire, voilà. Putain. Depuis tout à l'heure, j'arrivais pas. Bon, attends. Hé, hey, utilise pas toutes tes balles. Je vais te montrer comment te battre. Un duel, c'est ça? Oh, je t'ai touché aussi. Ouais. C'est pas vrai, j'utilise pas le shame pour absorber toutes tes balles, c'est pas vrai. On est en duel ou quoi? Parce que je tire. Ah ouais, j'allais dire. Putain, j'avais le shame qui absorbait toutes les balles. Je suis en forme, les amis, c'est parce que voilà, c'est mon métabolisme qui a réagi. Ah, je fais avec ça, ça a l'air bien. Attends, attention. Viens, on utilise tous les deux le shame. Comme ça, c'est... Non, le cavalier. Mis... Le cavalier coriace plutôt, comme ça on peut courir. Attends, moi je me soigne juste un peu. Parce que voilà, j'ai plus de santé. Il veut pas. T'es où? Ah ouais, mais elle veut cher, je vais me prendre une claque dans la gueule là, mais méchant. laisse tomber le butcher, en plus j'ai looté avec practicable. Genre j'ai looté deux fois avec la sirène et c'était deux fois avec le practicable. Ah, le butcher je l'ai sur, sur One. Sur PC j'ai pas grand chose hein, comme arme. Hein. Bon, je pense que ça fait 10 minutes, on dit qu'on va y aller, donc là on va vraiment y aller parce que c'est l'heure. Je suis un c'est peu fatigué. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Au revoir les amis, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Petite Ouais, c'est une petite vidéo, comme dirait Frédéric Delavier. On se rejoint pour une petite vidéo. Oui, bon, bref. Alors, au revoir. Allez, je te laisse tuer les méchants, moi j'ai peur, je me mets en position fétale. Bref, moi je vais arrêter la capture, sinon on va jamais y arriver. Au revoir. Yep. Allez, salut!